Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette vidéo exceptionnelle dédiée à notre ESBA lunaire du 18 janvier 2022, notre pleine lune, la pleine lune du loup, la pleine lune d'hiver, la vieille lune ou la lune d'après Yule se tient aujourd'hui en date du 18 janvier. Elle est dans la constellation du cancer, ce qui veut donc dire que ce n'est pas le bon moment pour travailler les énergies du futur, mais au contraire se défaire des énergies du passé, se défaire des liens toxiques, faire un deuil, entamer un processus de guérison et bien sûr se tourner vers l'avenir une fois qu'on sera débarrassé de notre passé. Et pourquoi celle-ci sera exceptionnelle? Eh bien grâce à vous et je vous remercie du fond du cœur d'avoir été si nombreux à participer au rituel. Je suis vraiment très 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 heureux et je me sens particulièrement honoré pour la confiance que vous m'avez attribuée afin de pouvoir eh bien intercéder auprès des forces cosmiques pour vous aider à vous débarrasser des liens toxiques et pouvoir enfin vous tourner vers un avenir un petit peu plus serein et radieux. Je souhaite de tout mon cœur que cette magie puisse opérer ce soir et que les premiers changements dans vos vies puissent se manifester rapidement. Vraiment, je vais tout faire, je vais y mettre tout mon cœur et toute mon âme. Bien sûr, rassurez-vous pour ceux qui n'ont pas pu participer ou qui n'ont pas voulu participer à ce rituel, sachez que chaque mois, on retrouvera un rituel participatif pour l'ESBA lunaire, bien sûr en fonction des énergies qu'il y aura, hein, puisque là, pour ce soir, on va faire un puissant rituel pour se débarrasser de tous les liens toxiques qui nous retiennent, et en fonction des prochaines lunes, des prochaines énergies et des différentes constellations qu'elle traversera, eh bien, les rituels vont évoluer et il y aura plusieurs thématiques, donc vous pourrez participer à d'autres rituels, ne vous inquiétez pas. Alors, avant de commencer la partie la plus intéressante de la vidéo, et je sais que vous trépinez à l'idée de pouvoir voir le rituel qui va être fait, on va d'abord se faire les petites énergies lunaires pour définir ensemble eh bien, les énergies principales qui vont se faire après cette pleine lune particulière. Je vais donc utiliser mon oracle des sigils et on va se tirer comme d'habitude deux petites cartes. Nous avons la sorcellerie et l'occulte. Eh bien écoutez, je pense que notre pleine lune est pleine d'humour ce soir puisque effectivement nous baignons dans les énergies de sorcellerie et d'occultisme. Et nous avons le sacrifice et l'offrande. Et effectivement, je trouve que ça résume tellement bien ce qui va se passer ce soir puisque nous allons ensemble réaliser un rituel. Car même si c'est moi qui réalise le rituel, vous allez quand même avoir un petit travail à faire de votre côté. Rassurez-vous, ne vous inquiétez pas, ça va être très simple, je vous explique ça d'ici quelques minutes. Alors, que nous dit l'offrande, le sacrifice, la sorcellerie et l'occulte? Eh bien, pour réaliser un rituel, lorsqu'on pratique la magie, il y a toujours une compensation, il y a toujours une contrepartie. Cette contrepartie, il faut la payer. Alors, comment la payer? Je vous vois venir, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous demander d'aller sacrifier une chèvre dans un cimetière. Non, vous n'aurez pas besoin de faire tout ça, rassurez-vous. L'offrande, c'est le fait de renoncer, le fait d'offrir quelque chose. C'est comme lorsque vous offrez, par exemple, à des pauvres, à des associations, des choses comme ça, quand vous faites du tri chez vous et que vous allez vous débarrasser pour offrir, eh bien, c'est le même principe. Dans la vie, si vous voulez obtenir des choses, si vous voulez qu'on vous donne des choses, il faut que vous-même vous soyez dans cette action de grâce, dans cette action de don, et aussi renoncer, apprendre à lâcher prise et à offrir ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Pour vous débarrasser des liens toxiques, il faut d'abord le vouloir. Ça, c'est la première étape. C'est-à-dire que le rituel que je vais vous faire fonctionnera si vous voulez que cela fonctionne, si vous faites en sorte aussi que la vie puisse travailler pour vous. Car si vous tenez impérativement à ces liens, si vous vous accrochez telle la moule à son rocher, eh bien, fatalement, la magie ne pourra pas tout faire non plus. Il faut vouloir être dans un processus de volonté. C'est comme lorsqu'on arrête de fumer, c'est dans la tête, c'est une question de volonté. Si vous êtes décidé, si vous êtes vraiment déterminé à en
finir avec la cigarette, eh bien croyez-moi que vous y parviendrez. C'est comme un régime, c'est comme plein de choses. Lorsque dans la vie nous sommes déterminés et que nous acceptons déjà nos faiblesses, hein, là on nous parle l'offrande, le sacrifice, c'est aussi accepter nos faiblesses, accepter le fait que nous sommes faillibles et que nous devons offrir quelque chose. Et ce que nous avons à offrir, eh bien ce sont nos faiblesses. Reconnaissez que vous avez une addiction, reconnaissez que vous avez un lien envers telle personne, envers telle situation, envers telle chose, et offrez ce lien. Offrez-le à la vie. Offrez-le en disant que vous voulez vraiment être libéré de ceci et accéder à de nouvelles choses. Et effectivement, c'est via la magie que les choses pourront s'opérer. Et je pense que ce soir, les choses vont s'opérer. Voilà donc pour nos énergies de pleine lune. Je vous promets, vous m'avez vu mélanger les cartes, hein, j'ai pas triché. Donc comme quoi, hein, le message, il est très clair. Alors, avant de débuter le rituel, j'ai un petit peu vous expliquer, parce que là, vous voyez plein de choses à la caméra, mais vous savez pas forcément à quoi cela correspond. Tout d'abord, j'ai mis un sablier qui va représenter le symbole du temps, puisque comme je vous l'ai dit, on va travailler sur les liens du temps, les liens du passé. Ce rituel va avoir pour but de vous débarrasser, de couper en tout cas les liens, puisque après cela dépendra de vous, hein, si vous retournez dans vos vieux démons, dans vos anciens travers et dans vos vieux cycles, eh bien le travail que j'aurais fait n'aura servi strictement à rien, d'accord? Donc c'est aussi vous, votre tâche de l'autre côté de l'écran, et de vouloir, d'accepter, de lâcher prise, de renoncer et accepter que le changement puisse s'opérer dans votre vie, d'accord? Si le rituel ne fonctionne pas, c'est qu'il va falloir faire un travail d'introspection et vous dire ok, ça n'a pas fonctionné, peut-être parce que j'arrive pas à me débarrasser de telle personne, parce que j'arrive pas à renoncer à telle personne, à telle situation, à telle ou telle chose. Donc il va falloir faire un travail, ok? Partez du principe que vous acceptez, vous allez devoir accepter de renoncer aux situations, aux personnes, aux liens toxiques, à tout ce qui vous empoisonne la vie, afin de pouvoir vous tourner pleinement vers l'avenir, ok? Donc j'ai mis le symbole du sablier, je ne l'ai pas retourné volontairement puisque je veux que le temps s'arrête, je ne veux pas que le temps s'écoule. Donc ici le sablier qui ne s'écoule pas, c'est la symbolique du temps qui se fige, et effectivement le rituel que l'on va faire va avoir pour but de se figer dans le temps afin de couper le passé, hein, puisque les liens du passé nous empêchent d'avancer dans le temps, ça nous fait régresser au contraire. Donc une fois que les liens seront coupés, je retournerai le sablier afin de nouveau de réactiver le temps. Bien sûr, j'ai mis ici une lampe en forme de lune, hein, puisque c'est notre lune ici qui préside l'ensemble du rituel. Nous allons utiliser bien sûr de l'encens en grains. Je vais utiliser cette fois-ci des encens assez radicaux, j'ai envie de dire, et plus forts que ce que j'utilise d'habitude. Je vais utiliser de l'encens de dragon qui est très efficace pour la protection, contre le mal, les exorcismes, contre la magie noire. Hein, c'est un encens qui est particulièrement efficace pour tout ce qui est travail occulte et pour se protéger aussi de beaucoup de choses négatives. Et je vais utiliser de l'encens de Bethléem pour les rituels magiques, la conjuration, le sacré, l'aspect de purification. Donc on va utiliser ces deux pour vraiment avoir quelque chose qui soit costaud en termes d'énergie. Je vais également associer des pierres. Alors, je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Je vais utiliser de la septaria. La septaria, c'est une pierre qui est rattachée au temps, au passé, hein, puisque la septaria a été faite grâce à l'océan. Ce sont tout simplement des plantes, des dinosaures, des animaux qui sont tombés au fond de l'océan. Et les sédiments de l'océan ont fini par cristalliser et faire ce cristal. Et tout ce que l'on peut voir autour de la pierre, hein, c'est de la calcite qui a été fabriquée par l'océan. C'est une pierre que j'aime énormément. La septaria, c'est vraiment la pierre qui est rattachée au passé. On va aussi utiliser de l'obsidienne, hein, l'obsidienne qui va nous permettre de capter toutes les énergies négatives, parce que c'est bien joli de couper les liens, mais une fois qu'on va couper les liens, il risque d'y avoir des énergies négatives volatiles. Et bien l'obsidienne va servir de gemme pour capturer ces énergies négatives afin qu'elles évitent de se diffuser ou qu'elles évitent d'aller s'accrocher à d'autres personnes. En l'occurrence, Cédric ou moi, puisque nous sommes les deux personnes les plus proches du rituel. Je vais bien sûr utiliser du quartz blanc pour amplifier les énergies, ça va de soi, et je vais également utiliser un obélisque en païsine, idem la païsine.
C'est une pierre qui est rattachée au passé, particulièrement à l'Antiquité, hein, donc on est vraiment ici rattaché sur les énergies du passé. Et pourquoi l'obélisque? Parce que l'obélisque, c'est une forme qui est particulièrement sacrée et divine. C'est la forme qui permet de pouvoir connecter le divin au ciel, hein, telle sa pointe comme ça qui va diriger l'énergie, mais qui agit aussi comme une antenne à la fois réceptive, mais aussi émettrice. Donc l'obélisque en paysine est absolument parfait. Je vais utiliser une grosse bougie blanche couleur argentée, je pense que vous l'aurez vu, hein, j'ai opté pour du matériel complètement argenté, puisque c'est le métal qui est associé à la lune, hein, tout simplement. Donc ici, la grosse bougie va représenter la lune. Je l'ai mise en tension avec, comme vous pouvez le voir, des rubans. Ici, vous avez tous les participants. Sachez que chaque bougie représente quelqu'un, représente une âme. Sachez également que les bougies, je vais les laisser se consumer intégralement toute la nuit, hein, pour que le rituel puisse fonctionner complètement. Il faut que la bougie soit intégralement consumée. Donc sachez que toute la nuit, je vais veiller jusqu'à ce que les bougies soient intégralement consumées et c'est ainsi que le rituel pourra s'achever. Alors bien évidemment, je ne vais pas vous filmer ça, qu'on soit bien d'accord, hein, parce que sinon la vidéo va durer 10 heures et ce n'est juste pas possible. Et puis ça va être un petit peu embêtant quand même, hein, de regarder une bougie fondre pendant 9 heures d'affilée, ça va être long quand même. Donc, je vous passe cette étape-là, bien entendu. Je vous ferai une petite photo que je vous mettrai sur Instagram et sur l'onglet communauté pour vous montrer que les bougies, pardon, bijoux, tiens, serait-ce révélateur? Est-ce que quelqu'un chercherait des bijoux ou aurait perdu un bijou, peut-être? Donc, je vous mettrai une petite photo pour vous montrer que les bougies ont été intégralement consumées. Donc comme je vous le disais, j'ai mis les bougies sur un grand plateau circulaire argenté pour symboliser la face de la lune, d'accord? Les bougies noires, alors ce ne sont pas des bougies noires, mais des bougies de couleur anthracite, c'est-à-dire elles ne sont pas noires, elles sont plutôt un gris foncé. J'ai volontairement pris cette couleur puisque le noir, le gris foncé va représenter tout ce qui est un petit peu toxique dans notre vie, hein, tout ce qui vient nous polluer, les zones d'ombre, les taches sombres dans notre vie, et le noir va aussi absorber les énergies. Hein. Sachez-le, tout ce qui est bougie noire n'est pas associé à la magie noire, au satanisme et toutes ces conneries, pas du tout. Les bougies noires, la couleur noire, enfin c'est pas une couleur d'ailleurs, c'est une valeur, le noir comme le blanc. Le noir permet d'absorber toutes les ondes, permet d'absorber toutes les énergies, toutes les autres couleurs. Donc j'ai volontairement utilisé du noir justement pour absorber les énergies. Comme j'ai envie de dire, vous êtes symbolisé par une bougie, et eh bien c'est la bougie qui va faire office un petit peu de catalyseur, elle va être votre représentant dans ce monde afin de se consumer, de consumer toutes les énergies qu'elle possède à travers le feu qui va purifier ces énergies-là. Hein, en gros, c'est comme si je vous faisais passer sur un bûcher. Bon, il vaut mieux quand même que je fasse brûler une bougie plutôt que vous sur un bûcher. Hein, voilà. Donc c'est la même méthode de purification que j'utilise. Et comme je vous l'expliquais, j'ai mis la bougie en forme de lune, qui va représenter, pardon, la lune, je l'ai mise en tension avec plusieurs rubans. Ces rubans vont incarner différents domaines de notre vie qui polluent véritablement notre existence. J'ai mis un ruban jaune qui va représenter tout ce qui est attrait à la malchance, hein, tout ce qui est les entraves, les obstacles à la réussite, à la concrétisation et à la réalisation des projets, des envies, des désirs, etc. J'ai mis un ruban rose-rouge, pourpre, on pourrait dire, enfin pourpre c'est plutôt violet, mais oh oui, si, pourpre, pourpre. Donc un ruban pourpre pour représenter les relations toxiques, les relations sentimentales, émotionnelles, les liens émotionnels et toxiques, hein, pareil, qui entravent notre vie. Donc ça peut être un amour par rapport à un ex qui devient une obsession, ça peut être une possession émotionnelle ou sentimentale. Ça peut, attention, quand je dis sentiment, je fais aussi référence à tout ce qui est lié aux amis, à la famille, bref, tout ce qui est rattaché au cœur en règle générale. Ce n'est pas nécessairement que l'amour avec un grand A, c'est l'amour au sens large du terme. Donc le ruban rouge va représenter ses liens émotionnels. J'ai pris un ruban marron qui lui va représenter tout ce qui est rattaché à l'aspect financier, à l'aspect matériel, à l'aspect concret, c'est-à-dire tous les blocages qui vous empêchent de trouver soit un travail, soit de prospérer financièrement, bref, tout ce qui est matériel, tout ce qui est rattaché à la terre. J'ai pris aussi un ruban noir qui va incarner tout ce qui est processus de deuil, la mort, le mauvais œil, la malchance, la
malchance. C'est pas la même malchance que le ruban jaune. Là, c'est la malchance intentionnelle, les travaux occultes, les personnes qui réalisent de mauvaises choses sur vous, hein, tout ce qui est mauvais œil, tout ce qui est mauvais sort, sortilège, etc. Mais la mort aussi, si quelqu'un a du mal à se défaire de la disparition d'un être cher et qu'il n'arrive pas à réaliser son deuil, eh bien, ce ruban représente justement les processus de deuil. Et enfin, un ruban vert. Un joli verre d'eau, un verre turquoise qui va incarner la santé, tout ce qui est lié à la santé, à la guérison, à la maladie, etc. Donc j'ai pris arbitrairement 5 rubans avec ces 5 couleurs parce que je me suis dit que c'est les 5 domaines de notre vie les plus principaux et en général quand l'un d'eux ne va pas bien, tout le reste ne va pas. Donc j'ai pris volontairement 5 rubans comme les 5 branches aussi du pentacle, la boucle est bouclée. Je vais aussi utiliser des pentacles planétaires qui sont en hématite. Donc j'ai opté pour le pentacle de la Lune et le pentacle du Soleil. Le pentacle de la Lune, je vais le glisser tout de suite sous ma lampe en forme de lune afin d'incarner et de représenter les énergies lunaires. Et le pentacle du Soleil, je vais le conserver ici près de moi puisque le Soleil va représenter, c'est grâce au Soleil hein, d'ailleurs que la Lune est éclairée, c'est les rayons du Soleil qui se reflètent sur la face de la Lune. Donc lorsqu'on célèbre la Lune, quelque part on célèbre aussi le Soleil. Donc c'est pour ça que je lui ai mis un petit clin d'œil et puis le Soleil, c'est aussi celui qui va permettre de tout briser, de pouvoir briller, hein, de pouvoir. Comme par exemple la carte du soleil dans le Lenormand qui va symboliser les bonnes nouvelles, la victoire, la réussite, etc. Eh bien là, on veut justement des énergies de réussite et de victoire, donc j'invoque les deux énergies, le soleil et la lune. N'oubliez pas que la magie est un travail d'ombre et de lumière et qu'on ne peut pas travailler l'un sans l'autre. On ne peut pas invoquer que la lumière et délaisser les ténèbres. On ne peut pas invoquer que les ténèbres et délaisser la lumière. La magie est un travail d'équilibre. Il faut toujours invoquer les deux forces pour qu'on puisse avoir un parfait équilibre, une balance qui soit bien équitable. Je vais aussi utiliser donc du sel que je mettrai par-dessus les bougies, toujours dans un processus de purification. Et puis je crois qu'on est pas mal, on va pouvoir y aller. J'ai aussi glissé une petite croix de Brigid, hein, la petite croix de Imbolc que j'ai réalisée ce week-end. Comme justement Imbolc arrive bientôt, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'invoquer un petit peu les énergies d'Imbolc puisque Imbolc représente la renaissance de la nature. Hein. On arrive tout doucement à la fin de l'hiver, les choses vont commencer à percer un petit peu les champs, la nature, hein, comme par exemple la fleur emblématique de Imbolc, c'est le personnage. Et bien justement, c'est ce qu'on veut, nous, on veut commencer à percer dans la société, on veut commencer à percer dans la vie et donc invoquer les énergies d'Imbolc, je trouvais que c'était particulièrement judicieux. Voilà donc pour toutes les explications du rituel, mes chers amis, on va donc pouvoir commencer. Alors, avant de commencer, je vous demandais de souffler un bon coup, surtout pour ceux qui ont participé au rituel, hein, puisque du coup, c'est votre grand moment que je suis en train de faire ici. Donc, vous allez souffler un grand moment comme je vous l'apprends, hein, comme vous savez déjà le faire, à savoir, on inspire profondément par le nez, on bloque sa respiration quelques instants et ensuite on expire. Allez, là j'utilise de l'encens Positive Vibes, qui veut dire des ondes positives, qui sent vraiment très très bon. Et effectivement, je peux vous confirmer que rien qu'à l'odeur qu'il dégage, on se sent bien, on se sent apaisé. C'est vraiment une odeur qui est particulièrement relaxante. Donc rassurez-vous, ça c'est juste pour un parfum d'ambiance, hein. On va pas travailler avec cet encens-là. Maintenant que vous vous êtes bien détendu, que vous êtes profondément relaxé, c'est important, hein, avant de commencer le rituel, vraiment visualiser l'ensemble de votre vie. Visualisez les différents liens qui vous rattachent au passé. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer dans le présent et dans l'avenir? Visualisez tout ça et visualisez une sorte de grande épée qui descendrait du ciel, que vous attraperiez, hein, que vous brandissez.
et vous coupez comme ça toutes ces chaînes qui vous retiennent afin de pouvoir de nouveau être libre d'avancer. Le travail de visualisation est très important et comme je l'ai dit, c'est à vous que revient la décision de briser vos liens. Ce que je vous apporte, c'est un outil, c'est une méthode, mais en aucun cas, c'est la solution. Si vous ne voulez pas que votre vie change, elle ne parviendra pas à changer. Pour entamer un processus de changement, il faut d'abord le vouloir. C'est comme l'adage qui dit on n'arrivera pas à faire boire un âne qui n'a pas soif. Ben, c'est le même principe. On pourra toujours le forcer. S'il veut pas, il veut pas. C'est pas la peine. Si vous ne voulez pas, les choses ne changeront pas. D'accord? Le pouvoir vous appartient. Maintenant qu'on s'est détendu, qu'on s'est relaxé, que vous avez fait votre introspection personnelle, que vous êtes dans une énergie de mouvement et de volonté pour faire changer les choses, on va pouvoir débuter. Comme d'habitude, avant chaque début de rituel, on va commencer par la cloche pour pouvoir, eh bien, intercepter les énergies et les entités qui sont autour de nous, pour capter leur intention, leur dire coucou, nous sommes là, nous allons travailler. Comme d'habitude, je vais faire ma petite ode à notre lune avec le livre Champ de pouvoir de Julien Niavril et Gulliver l'aventurière, pardon, je ne sais plus parler. Ô lune, notre sœur stellaire, nous t'invoquons en cette heure où, pleine et irradiante de lumière, tu invites chacun de tes serviteurs à célébrer ton pouvoir supérieur. Par ta force infinie de transformation, ton éclat royal qui brise toute limitation, ton énergie qui magnétise notre sang, et par ce brasier fertile gouvernant des rênes de feu la magique initiation. Ô lune, notre sœur stellaire, nous te louons d'être cette messagère qui plonge dans nos gouffres intérieurs, dans nos rêves et nos vies antérieures, pour en extraire la divine lumière. Notre cercle alors par un chant nous ouvrons, un chant porté par le souffle des célébrations, et ensemble nous voilà tous ivres communiant la danse sauvage et sacrée des esprits exécutants, et tout le ciel, ô lune, assiste alors à notre union. Amen. Nous allons maintenant allumer notre bougie lune. Maintenant, nous allons allumer notre encens. Comme d'habitude, on y met quelques cendres dessus pour pouvoir poser nos résines sans que ça les carbonise. Allez, maintenant que notre autel est maintenant prêt, je vais pouvoir clamer le rituel. Donc, je vous demande de fermer les yeux, de vous concentrer. Surtout, ne vous inquiétez pas si vous entendez plusieurs fois les mêmes prénoms. Malheureusement, ce n'est pas de ma faute si vous portez les mêmes prénoms. Sur les bougies, il y a vos noms, vos prénoms, vos pseudos, toutes les informations que vous m'avez données, tout est marqué sur les bougies. Donc même si je dis juste un prénom qui se répète plusieurs fois, les bougies, elles, savent de qui je parle exactement. Et vous-même, derrière votre écran, vous saurez également de qui je parle. En cette nuit et en cette heure, j'adresse à l'univers cette clameur. J'invoque le pouvoir de notre astre bien-aimé, celle qui depuis l'aube des temps est vénérée. Lune du loup, lune de glace ou lune d'hiver, nous te saluons, ô divine blanche de lumière. Nous nous tenons devant toi ce soir afin d'invoquer le cône sacré de pouvoir. Vois tes enfants qui réclament ton aide, ceux qui, séants, ont besoin d'un remède.
Que tes puissants rayons percent les ombres, tels des lances affûtées chassant les décombres. J'invoque ton pouvoir céleste béni et les secrets cachés dans la nuit. Accorde-moi la puissance nécessaire pour être ton digne émissaire. En cet instant de magie sacrée, je brise tous les liens du passé, ceux qui nous enchaînent et nous retiennent à nos différentes peines. Que soient libérés sans sommation celles et ceux qui m'ont réclamé cette action. Olivia, Catherine, Magali, Sandrine, Marie-Laure, Delphine, Adrien, Alexandre, Marie, Magali, Dominique, Caroline, Edith, Sandrine, Christelle, Aurélie, Anna, Catherine, Aurélie, Rita, Caroline, Sandrine, Nathalie, Claudie, Anna Paula, Sandra, Cécile, Angélique, Marie-Christine, Laurent, Laura, Marjorie, Alain, Clémence, Colline, Joanne, Isabelle, Brigitte, Julie, Virginie, Nathalie, Isabelle, Annie, Cédric, Birgit. Vous tous, frères et sœurs dont les noms s'entremêlent, que votre libération s'opère et que se déploient vos ailes, afin de vous élever au firmament dans un futur temps. Ainsi soit-il. Je vais maintenant allumer les différentes bougies de nos frères et sœurs. Maintenant que les âmes de nos frères et sœurs sont allumées, je vais pouvoir briser et couper tous les liens qui nous retiennent au passé. Et je vais commencer par le ruban noir, celui qui symbolise le mauvais œil, les travaux occultes, toutes les énergies associées à la mort, bref, tout ce qui est négatif. Que la mort écoute la vie et que le mal soit banni, telle en est ma volonté, je brise le lien du passé. Le ruban rouge, celui qui représente les liens émotionnels et sentimentaux toxiques. Que soit rompu l'amour poison et que prenne fin cette possession. Telle en est ma volonté, je brise le lien du passé. Ensuite, le ruban marron, celui qui nous rattache aux énergies de la terre, au matériel et au financier. Que l'immatériel devienne matériel pour que l'abondance soit solennelle. Telle en est ma volonté, je brise le lien du passé. Le ruban vert, celui qui incarne la guérison, la santé. Que soit purifié le sang de cet organisme par le truchement de cet exorcisme. Telle en est ma volonté, je brise les liens du passé. Et enfin, le ruban jaune, celui qui incarne la chance. Que la malchance devienne clémence et la chance soit sans défaillance. Telle en est ma volonté, je brise les liens du passé. Maintenant que les différents liens du passé ont été brisés, le cours du temps peut reprendre sa normalité. Que le passé soit banni, que le présent puisse de nouveau être vécu et que l'avenir s'annonce radieux. Voilà mes chers amis pour l'ensemble de ce rituel. Comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, je ne vous filmerai pas toutes les heures qui m'attendent avec la consommation totale des bougies, mais sachez que le rituel prendra fin au moment où toutes les bougies auront été consumées. Lorsque toutes les bougies auront disparu, je referai tinter la cloche pour terminer le rituel, pour le clôturer. Et vous, de votre côté, il va falloir faire ce petit travail d'acceptation, de vous dire que désormais, votre passé appartient au passé. Nous vivons avec le passé, mais nous ne vivons pas dans le passé. Acceptez que les choses que vous ayez perdues soient
perdus et qu'un nouveau présent et qu'un nouveau futur soit devant vous avec son lot d'opportunités, son lot de chances, son lot de choses qui sont prévues pour vous. Mais si vous voulez acquérir et obtenir ces choses, vous devez accepter ce changement et vous devez accepter de vous libérer et surtout d'offrir en sacrifice ces liens qui vous retiennent et tous les liens qui vous retiennent. Pour ma part, le travail est quasiment terminé. Maintenant, il vous reste votre part. Voilà mes chers amis pour cette vidéo qui touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le rituel également vous aura plu. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un très bon esbat lunaire et que les énergies de notre pleine lune vous soient particulièrement favorables. Quant à nous, nous nous retrouvons dans de prochaines vidéos, dans de prochains esbats, puisque rassurez-vous, il y en aura bien d'autres. Allez, je vous embrasse fort et on se retrouve très vite. Prenez bien soin de vous.